Après avoir quitté Djibouti dans la journée du 12 novembre dernier, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Paris, la capitale française, où à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, il a pris part, aux côtés d'une trentaine d'autres chefs d'État et de gouvernement issus de tous les continents, au second forum de Paris sur la paix. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par l'ambassadeur de Djibouti en France, en présence du ministre de l'Éducation nationale djiboutien et des personnalités djiboutiennes et diplomates en poste à Paris. Créé à l'occasion du centenaire de l'armistice, le Forum de la paix est à sa deuxième édition. Il s'inscrit dans la dynamique pour réaffirmer l'importance du multilatéralisme et de l'action collective. La seconde édition reprend les trois axes qui ont fait le succès du premier forum, à savoir encourager la coopération internationale et l'action collective pour un monde en paix, présenter et discuter et faire avancer les solutions concrètes et innovantes. Son ambition est de renforcer ou créer de nouvelles règles, normes et bonnes pratiques. Créé en 2018 à la foulée de la commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le Forum de Paris sur la paix a valeur de tribune internationale dédiée à la mise sur pied d'approches sources de règlements durables aux problématiques de plus en plus complexes à l'ordre du jour dans le monde. Outre sa participation au Forum, le président de la République Ismaël Omar Guelleh mettra à profit son déplacement en France pour sensibiliser les milieux d'affaires français sur les opportunités d'investissement à Djibouti. Une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf accompagne le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à Paris, en France. Notre correspondant à Paris, Omar Ali Egué, a interviewé pour nous l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Moussaïd Yahia, qui est revenu donc sur les différents points à l'ordre du jour de ce second forum de Paris sur la paix et sur l'agenda du président de la République durant son déplacement en France. Le président va participer au deuxième forum de paix de Paris. Vous savez que ce forum de la paix de Paris a été institué l'année dernière par le président Macron à l'occasion du centenaire de l'armistice. Aujourd'hui, nous venons fêter ici également, commémorer le 101e anniversaire de l'armistice. Cet armistice, ce n'est pas seulement la fin de la guerre, mais c'est également rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour la guerre, y compris les nôtres. Je dis y compris les nôtres parce que vous vous rappellerez que durant la Première Guerre mondiale, le bataillon Somali s'est illustré dans plusieurs fronts. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le bataillon Somali s'est illustré également dans la guerre de Provence. Le président de la République, en venant, il vient également rendre hommage. Et c'est la deuxième fois. Depuis la première session du Forum de Paris l'année dernière, où le président de la République était également présent, cette deuxième session également va donner l'occasion au président de la République de parler du multilatéralisme, où nous, les pays africains, nous y tenons beaucoup, parce que le multilatéralisme, c'est ce qui permet à chacun de vivre dans un ordre bien établi, où il n'y a pas de raison du plus fort.
Le président de la République aura l'occasion également, à l'occasion du deuxième forum de la paix, de rencontrer un certain nombre de ses pairs. Rencontre prévue avec le président du Tchad, avec le président du Cameroun, avec le président de la Guinée équatoriale. Il a également le Mali et le Niger. Je crois que ce sont ceux qui me reviennent. Il aura l'occasion également de rencontrer un certain nombre de souverains présents, de présidents, de dignitaires et de chefs de délégation. La paix est au centre de ce forum. Ce forum a été créé pourquoi ? Pour garder vivant et vivace le multilatéralisme. Et le président de la République est porteur de son bâton de pèlerin, porteur de paix, toujours celui qui défend la paix dans la sous-région et en Afrique en général. Mais il est également ici pour défendre notre candidature pour le Conseil de sécurité. Et c'est pour cela, je vous ai cité tout à l'heure, un certain nombre de rencontres que le président aura avec ses collègues. Après son arrivée à Paris pour prendre part au second forum de Paris sur la paix, le président de la République, à l'instar de ses homologues chefs d'État et de gouvernement, a été convié à un dîner organisé par le président Macron à l'Élysée. Un dîner qui a permis de renforcer les liens entre les différents pays participant à ce forum sur la paix et de débattre également sur les différents points à l'ordre du jour de ce second forum de Paris sur la paix. En effet, cette deuxième édition reprend les trois axes qui ont fait le succès du premier forum, créé en 2018 à la foulée de la commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Le Forum de Paris sur la paix a valeur de tribune internationale dédiée à la mise sur pied d'approches sources de règlements durables aux problématiques de plus en plus complexes à l'ordre du jour dans le monde. Farsa mai ta'ula
Emmanuel Macron a lancé le 12 novembre la deuxième édition du Forum sur la paix, organisé à Paris et rassemblant une trentaine de dirigeants internationaux, dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh, à la Grande Halle de la Villette. Le coup d'envoi de la deuxième édition de ce forum a été donné par le président français devant une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Changement climatique, inégalité, désinformation, cybercriminalité, face à tous ces défis, le forum, dont la création avait coïncidé en 2018 avec le centenaire de la fin de la guerre mondiale. Changement climatique, inégalité, désinformation, cybercriminalité, face à tous ces défis, le forum, dont la création avait coïncidé en 2018 avec le centenaire de la fin de la Grande Guerre mondiale, ambitionne d'être un relais d'actions concrètes et de bonnes pratiques. Le président français a insisté également sur le rôle de l'Afrique. Si le continent a longtemps été un objet du multilatéralisme, il est en train d'en devenir un sujet, a estimé le chef de l'État français. Selon lui, ce forum sur la paix, qui s'ajoute à de nombreuses autres réunions internationales, est utile car il réunit des États, des ONG, des acteurs de la société civile et des entreprises. Seule réponse, d'après lui, aux nouveaux défis démographiques, climatiques et technologiques. Pour faire face aux défis d'organisation du monde et dans un contexte difficile pour le multilatéralisme, le Forum de Paris sur la paix continue à mobiliser et à rassembler tous les acteurs engagés. Il agit comme incubateur pour faire avancer les projets et lancer des initiatives nouvelles. Comment ? En offrant des solutions concrètes autour de la paix et de la sécurité, du développement, de l'environnement, de nouvelles technologies, de l'économie inclusive ou de la culture et de l'éducation. Le Forum de Paris sur la paix s'inscrit dans la dynamique initiée par le président Macron pour réaffirmer l'importance du multilatéralisme et de l'action collective. Cette seconde édition reprend donc les trois axes qui ont fait le succès du premier forum. Les objectifs: encourager la coopération internationale et l'action collective pour un monde en paix. Les moyens: présenter, discuter et faire avancer les solutions concrètes et innovantes. Les ambitions: renforcer, repenser et créer de nouvelles règles, normes et bonnes pratiques. En marge de l'ouverture de ce forum sur la paix, les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les personnalités ont animé plusieurs réunions ou discussions des panélistes. Ces derniers étaient interrogés par les représentants des fondations, des intellectuels et les représentants des Nations Unies. Généralement, les questions ont porté sur le multilatéralisme, à savoir la préservation de la paix, la sécurité et aussi trouver des solutions aux différentes crises qui affectent le monde d'aujourd'hui. En répondant aux interrogations des panélistes, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a accordé beaucoup d'importance à la question concernant le multilatéralisme. Il a insisté sur le fait que la société civile devrait être associée à la prise de décisions qui doivent être prises d'une manière multilatérale et non pas dans le seul cadre des autorités gouvernementales. On écoute le chef de l'État. Le rôle des États ne suffit plus maintenant. Il faut que la société civile, les ONG, les secteurs privés soit associé à cette réforme, à la responsabilisation du multilatéralisme et à écouter ce que disent nos populations, nos intellectuels et tous ceux qui ont quelque chose à apporter à cette gestion, gouvernance mondiale. Lorsqu'on voit le terrorisme international qui balaye, n'est-ce pas, et qui déstabilise et désorganise des sociétés entières et des pays entiers, l'approche ne doit pas être l'approche conventionnelle. Il faut trouver d'autres idées pour pouvoir faire face pour la paix mondiale et la gouvernance entre les États-nations, comme le réchauffement climatique, les pandémies, les crises migratoires qui pose problème dans les pays riches, n'est-ce pas, l'Europe ou les États-Unis. Tout ça, il faut donc imaginer un multilatéralisme, pas seulement basé sur les États et le gouvernement, mais un multilatéralisme inclusif avec des acteurs non étatiques
comme les organismes internationaux, les ONG, les secteurs privés et aussi d'autres acteurs qui peuvent avoir une représentativité dans la gestion de proximité. Le multilatéralisme et les petits États. Sur les 193 États que compte l'ONU, 105 sont des petits États. À partir de le cadre multilatéral de l'ONU, doit se soucier, n'est-ce pas, de cette représentativité et donner une tribune aux petits États, car les priorités et les urgences des petits États peuvent ne pas correspondre avec ceux des autres pays. Par exemple, les pays insulaires sont très, très préoccupés par le réchauffement climatique. C'est une urgence et une question de survie immédiate pour eux, n'est-ce pas ? Comme pour nous, petits États de la Corne d'Afrique, victimes des sécheresses de plus en plus endémiques. Les spécialistes font un lien avec le réchauffement climatique. Je pense donc que le cadre de la réforme et d'une nouvelle architecture de l'ONU, les petits États doivent prétendre à une meilleure représentativité. Djibouti, petit État qui est candidat au Conseil de sécurité, en tant que membre non permanent en 2021-22, s'engagera, s'il est élu, à porter et à défendre au sein de l'institution les préoccupations des petits États. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale le 14 novembre, après avoir participé du 11 au 13 novembre, aux côtés d'une trentaine d'autres chefs d'État et de gouvernement issus de tous les continents, au deuxième forum de Paris sur la paix. Very dark,